Hey, les gars, est-ce que vous êtes aussi pressés que moi de rejouer et de repartir là-bas? Ça ne sert à rien d'être pressé, Bob. Il faut qu'on profite de ce temps-là. Comme ça, on met en place une stratégie et on fait le point sur ce qu'on sait. Une chose est sûre, c'est que ce jeu est un portail temporel. Et est-ce qu'il fait aussi des pizzas? Arrête, Bob. Ne sois pas sarcastique. Tout de suite, les grands mots. Et on sait également que tous ces cristaux Rockfrost sont sacrés pour les dragons, n'est-ce pas? Ouais. Et on sait aussi que notre ennemi s'appelle Nesseron. Va me chercher le général Vlad immédiatement. À tout de suite, Seigneur. D'après ce que le chaman nous a dit, Nesseron est dangereux et sans pitié. Même si on sait où aller chercher le premier fragment de Rockfrost, on ne doit jamais baisser la garde. Hé, hey, mais c'est quoi cette lumière bleue, là-bas? Hein? Quelle lumière? Ce n'est rien. C'est juste mon sac à dos. Bob, je crois que tu as oublié d'éteindre ta toupie. Moi aussi, j'oublie tout le temps d'éteindre la mienne, Bob. Hein? Je l'ai pas fait exprès. Oh! Le petit en a assez vu, alors allons-y. Bonne idée, on s'en va. Écoute, petit, il faut que tu rentres chez toi, sinon ta maman va te chercher. À plus. Oh! Va falloir attendre John? Pas tout à fait, mon pote. C'est moi qui attendais que vous arriviez. Et comment peut-il courir aussi vite? Ok, c'est parti, les gars. Maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir qui sera le maître du jeu. Va dans le passé, gagne dans le futur. Ah. Allez! Oh, c'est pas vrai! Hé, hey, ne triche pas! Pas moi! Oui, vas-y, allez! Ah! Vas-y, fais-le! Hé, hey, ne me porte pas la poisse! Super, j'ai gagné! Bon, cette fois, c'est toi le maître, Tom. Enfin! Tu verras, tout va bien se passer. N'aie pas peur. Je le sais, parce que vous êtes des garçons très malins. Oui, c'est vrai, mais aussi parce que nous sommes des dinofroses. Et nous reviendrons avec le Rockfrost. Compte sur nous. Prêt? Prêt? Prêt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ça ne va pas être facile pour eux de s'emparer de ce premier fragment de Rockfrost. On a déjà escaladé un mur auparavant, pas de panique. Alors vas-y, commence. Hein?
Il n'y a aucun dragon combattant qui monte la garde. C'est bon, venez. Les gars, je savais que ce serait simple comme bonjour. Les dragons sont en phase de repos, Seigneur. Ils se réveilleront dès que... Et combien en as-tu sélectionné, Vlad? 3. J'ai choisi les meilleurs guerriers de la race des dragons vampires. Et tous les dinofroses doivent être réunis avant d'agir. Nous suivrons vos instructions, Monseigneur. Une fois que tous les dinofroses seront pris au piège dans la grotte, ils ne pourront pas s'échapper. Les dragons vampires utiliseront leur sonar pour se déplacer dans l'obscurité de la grotte. Et ils n'en sortiront pas avant de leur avoir infligé l'attaque ultime. La morsure mortelle. Maintenant, c'est à toi de jouer, Général Vlad. Tu as intérêt à revenir avec de bonnes nouvelles. Vos désirs sont des ordres, Seigneur des Errants. Tu sais quoi, John? Tom nous dirait sûrement qu'on ferait mieux d'explorer les grottes sous forme humaine. Bon sang, mon vieux. C'est ce que j'aurais décidé aussi et sans Tom. Okay. Allez, allons-y. Je voulais juste... Je me demande comment Tom a fait pour activer le pouvoir d'immobilisation, parce que moi, j'y arrive pas. Parfait, il y a une entrée pour chacun d'entre nous. Je propose qu'on se sépare. Je suis prêt. Que se passe-t-il, Eric? Y a pas de dragon ici. Oui, et si jamais ça tourne mal, ne panique pas. Tu pourras toujours utiliser ta toupie. Tu sais comment te servir du pouvoir d'immobilisation, Bob? Pas encore, mais je suis sûr que je vais trouver comment. Ok, moi, je prends celle du milieu. Rockfroze! Où es-tu? Je viens te chercher! En juger par la taille des stalactites, cette grotte doit avoir au moins un millier d'années. Waouh! Ce n'est pas qu'une simple grotte. C'est un royaume virtuel. Je crois que je ferais mieux de me servir de ma toupie. Est-ce que je l'utilise maintenant ou j'attends encore un peu? Ok, ma toupie. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Allez. Si tu crois que tu me fais peur, tu n'es qu'un microbe pour moi. Alors, tu as envie de jouer?
Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était un piège. Les dragons nous attendaient, mais ils n'ont pas l'air de dragons combattants ordinaires. Il faut qu'on se transforme tout de suite. Je sais, Eric, mais seulement l'un de nous deux peut le faire. Vas-y, mon pote. Quoi? Non, mais tu plaisantes. S'il y a des dragons qui gardent cette grotte, ça veut dire que le Rock Frost est ici. Ok, et alors? Le fragment est là-dedans. Le seul hic, c'est qu'on ne sait pas encore quelle entrée ni quel chemin prendre pour le trouver. Donc l'un d'entre nous doit rester humain? C'est ça. Toi, transforme-toi et aide Bob à sortir de ce nid de lézard. Moi, je vais chercher le Rock Frost. Prépare-toi, tu seras bientôt un vampire comme moi. Il faut que j'aide Bob. Pas le droit à l'erreur. Ce dragon veut mordre le cou de Bob. Armure Triceratops! Merci, capitaine. Bien joué. Ça m'est égal que tes amis se joignent à nous. Bravo! Tu as réussi, Bob! Il y a trois dragons cracheurs de feu! Comment ça, Bob? Tu ne t'es pas occupé d'eux? Ah! Ils arrivent! Mais qu'est-ce que tu fais? S'ils t'attrapent, tu es fiché! Je sais ce que je fais. Moi, je te sauverai la vie quand on aura besoin. Tu as complètement perdu la tête! De quoi parle cet imbécile? Je suis sûr que je peux t'expliquer, mais là, on n'a pas le temps! Vous devez vous enfuir. Je suis un Dinofrost. Je ne m'enfuis devant rien. Laisse tomber, Bob. Je t'ai vu sortir de la grotte en courant, j'ai parlé. J'avais trois dragons contre moi et je les ai fait partir. Alors cours. Moi qui croyais que tu n'étais bon qu'à voler comme un vautour. Je préfère faire rôtir mon dîner d'abord. Ne compte pas sur moi pour ça. La quête du Rock Frost commence. Ils vont avoir du mal à voler à travers les arbres. Ils s'en sortent plutôt bien, en fait. Ce n'était pas un bon plan. À moi de jouer maintenant. Je vais lancer une attaque spéciale. Vague de choc Dinofrost. Ah,
Ce n'est qu'un château mort. La vague de choc ne fait que stimuler notre sonar ultrason. Ah, un sonar ultrason! Nous sommes des dragons vampires, et toi, tu es fêlé. Général Vlad. Bien. Alors, quels sont les nouveaux... Le sonar ultrason des dragons a été endommagé. Cela n'arrive que quand ils se font attaquer en plein ciel. Pourquoi volaient-ils en plein ciel? L'ordre que je vous ai donné était de combattre les dinofroses dans les grottes. Oui, mais les événements ne se sont pas déroulés comme prévu. Comment? Ils ont poursuivi un dinofrose jusque dans la forêt. Vraiment? Je les entends en ce moment et... Et? Le pouvoir de leur vague de choc est quasiment nul contre la force à ultrason de mes dragons. Notre victoire est proche, mon seigneur. Je l'espère pour toi. La vague de choc n'a eu aucun effet et je n'ai plus de carte pour Eric. Mais je peux peut-être l'aider en me servant de la carte de John. C'est bien ce que je pensais. D'après les instructions, comme John ne s'est pas transformé, je peux utiliser sa carte pour Eric. Oh. Je sais quel pouvoir je vais utiliser. Le pouvoir de la lumière d'étoile. Ne m'approchez pas! Nous voulons juste te faire une petite morsure. Après cela, tu seras aussi fort que nous. Hein? Quand tu seras devenu un vampire. Peut-être une autre fois, mais là, je suis un peu pressé, désolé. Mais il ne peut rien pour attendre. Le voilà, le Rockfrost. Super! Mais il me faut un plan pour le récupérer. Foudre aveuglant! Joli coup! Merci. Est-ce qu'il t'a mordu? En tout cas, il a essayé. Pourquoi? Ce sont des dragons vampires! Ah, ok. Ça explique pourquoi j'étais paralysé par la lumière de mon armure dans la grotte. Là, je comprends. Ils ont un puissant sonar ultrason qui les rend quasiment invincibles dans les endroits confinés comme les grottes ou les forêts. Mais dans les espaces ouverts comme celui-ci, leur pouvoir est nul. Et ce ne sont plus que des dragons ordinaires. Enfin, je crois. Grave erreur d'attaquer deux dinofroses. Montre-leur que nous ne sommes pas ordinaires. Bien dit, Bob. Je dois escalader pour atteindre le Rockfrost. Ok. Ah.
Ouf. Bien, il ne me reste plus qu'à l'attraper maintenant. J'aurais dû me faire écraser par ces rochers. Comment ai-je fait pour m'en sortir? Ah, c'est mon destin! Yahoo! Hein? C'est John! Il a sûrement trouvé le Rock Froze! Ah! Hein? Oh non, j'arrive pas à le croire! Le Rock Froze a disparu!